Bonjour, Christophe Derogiron, entraîneur d'équipe de France de kick. On est là aujourd'hui sur le deuxième jour des compétitions championnat de France kickboxing pour faire une sélection équipe de France. La compétition va commencer, j'espère que tout va bien se passer et qu'on verra des beaux combats et qu'on pourra faire une belle sélection pour nos prochains championnats du monde.
m'appelle Erine, j'ai 9 ans. Erine numéro 1 se prépare. Je suis contente, j'ai gagné. Je m'appelle Brunella Haro. Alors cette année, je suis championne de France classe A, en kickboxing. Et l'année dernière, j'étais championne de France classe B. Ouais, je suis content, franchement. Je l'attendais depuis longtemps, cette victoire. Ça reste très dur, hein, c'est cardio. Hein. C'est pas pareil qu'à la salle. À la salle, tu fais 10 rounds, mais là, au bout du deuxième round, t'es déjà mort. Non, voilà quoi. Oui, bonjour. Jean-Luc Guétraud, je suis le secrétaire général de la Fédération française de kickboxing Muay Thai, discipline associée. Également le président de la Ligue Midi-Pyrénées. Mais écoutez, ce sont les finales du championnat de France amateur de kickboxing qui ont lieu à Toulouse. C'est un honneur pour nous d'accueillir l'ensemble de tous les participants français ici sur notre ville rose. Quoi dire ? Eh bien, nos disciplines ont le vent en poupe puisqu'elles connaissent un essor absolument incroyable. Le nombre de participants, nous sommes nous-mêmes surpris. Et donc, vraiment, ce que je retiendrai, c'est l'émotion, les valeurs du sport qui sont vraiment très propres chez nous, c'est le respect, le courage et l'humilité. Alors, juste deux anecdotes qui, je pense, résument très très bien. Hier, nous avons eu la visite d'élus, deux responsables de la municipalité de Toulouse, adjoints au maire de Toulouse, et qui ont été très surpris de voir un petit peu ce fair-play de la part des spectateurs, des boxeurs, des coachs, le calme qui régnait, et puis l'engouement et les émotions qui pouvaient s'entendre parmi le public. Et ensuite, nous avons eu la visite également du vice-président du conseil départemental Haute-Garonne, qui, pareil, deuxième anecdote, a été extrêmement surpris déjà de voir l'ensemble de tout l'apport informatique. Une vision totalement différente de la boxe qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Ces écrans vidéo, on se croirait un petit peu dans des jeux de game informatiques. Et ça, vraiment, c'est très positif. Ils ont été extrêmement séduits. Et ça, il faut remercier l'ensemble des bénévoles. Il faut remercier les membres de la fédération, les cadres techniques également qui œuvrent pour que nos disciplines transmettent les vraies valeurs du sport. Voilà.